La première édition de la Coupe de la Relève a pris fin ce samedi à Cotonou. Cette compétition qui rassemble les jeunes collégiens et lycéens autour du basketball présente les qualités sportives des plus jeunes. Les phases finales discutées entre les formations filles et jeunes garçons se sont soldées par des victoires de l'équipe de Montaigne A chez les filles et Renaissance Basketball Club chez les garçons. L'objectif visé, c'est que la formation soit très très assurée à la base. Parce que dès le bas âge, il faut que l'enfant ait les fondamentaux. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Alors, lorsqu'ils iront en cadet ou bien en junior, là, les clubs civils vont les récupérer, les autres clubs vont les récupérer pour continuer le travail. Cette première édition a rassemblé 4 équipes au niveau des jeunes garçons et 5 formations chez les filles. Occasion pour ces jeunes filles et garçons d'exprimer leurs talents. Ben, je sais que ce championnat puisse se reproduire dans les années suivantes et que ça puisse ouvrir des portes à certaines personnes qui puissent être reconnues pour leurs talents au basket par exemple. Donner envie aux jeunes garçons et jeunes filles de pratiquer le basketball, c'est ce à quoi s'attellent les organisateurs de la Coupe de la Relève. Cette discipline a en effet connu quelques revers au cours des 12 derniers mois. Le plus récent est la défaite de l'équipe nationale lors des éliminatoires de l'Afro Basket 2015 qui aura lieu en Tunisie en août prochain.